Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat pour une partie de Harry Potter Bataille de Poudlard avec Madame et Fiston pour le troisième épisode. Donc on a rajouté les cartes Force du Mal de l'épisode 3. On a rajouté des ennemis. Voilà. Donc le paquet, c'est des ennemis et des forces du mal un petit peu augmenté. Et on a rajouté les cartes Poudlard du troisième épisode. On a des compétences aussi. On a des compétences à partir de maintenant, oui, effectivement. Alors, Ron, si vous assignez au moins 3 dégâts pendant votre tour, un héros au choix gagne 2 cœurs. Moi, la première fois, donc c'est Neville, la première fois qu'il gagne des points de vie pendant votre tour, chaque héros gagne un point de vie supplémentaire. Donc je vais essayer d'être un bon soigneur. Et Harry, la première fois qu'un marqueur est retiré du lieu à chaque tour, un héros au choix gagne un d'attaque. D'accord. Allez. Qui commence? Madame. Allez. C'est une carte? Oui. On tire les ennemis d'abord, peut-être. Oui, alors il y a deux ennemis. Oula, un détraqueur, un nouveau. Ah bah c'est les deux nouveaux. Ok. Super. Alors le détraqueur qui fait perdre 2, et ensuite Peter Pettigrew, donc qui fait perdre 2 au héros actif. Peter Pettigrew, le héros actif révèle la première carte de son deck. Si la valeur est supérieure ou égale à 1, il défausse cette carte et ajoute 1 sur le lieu. Donc il vaut mieux l'avoir au début, et on va peut-être essayer de s'occuper de lui au début, je pense. Attends, non. Oui, au début, on n'en a pas. Allez. Et ça, là ? Oui, c'est parti. Chaque héros résout un effet au choix, défausser un objet ou perdre 2 cœurs. Bon, bah je défausse moi mon rappel tout, comme ça, ça me fait 2 pièces. Alors, 4 pièces, un éclair. 4 pièces, un éclair. Pour 4 pièces... Oh, bah t'as le choix quand même, la boule de cristal pour piocher. Bière au beurre, deux héros au choix gagnent une pièce et un cœur chacun. Bon, ça serait peut-être plus pour moi. Et réparo qui est pas mal aussi au début. Allez, hop là. À toi. Ah non, si, à toi. Chaque héros résout un effet au choix, défausser un sort ou perdre des deux. Ah bah, punaise. Défausser un sort. Bon, je vais défausser un Allo Mora. Je vais gagner 2 points de vie et 3 pièces. Je vais acheter ça. Donc, tu as pris la boule de cristal. Incendio, gagner un éclair et piocher une carte. C'est pas mal ça. Alors, le héros actif perd 2. Tu t'étais enlevé les 2 des trackers? Oui. 1, 2, 3, 4, 2 du détraqueur et je perds 2. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Alors, je vais redonner 3 points de vie à madame, à Ron. Je vais... Est-ce que tu... Non, c'est encore trop tôt pour que tu frappes, madame, là? Non. Je vais reprendre 3 points de vie et pour 3 pièces, puisque j'avais les 2 de mon rappel tout, je vais prendre la bière au beurre, ce qui permettra de soigner un peu 2 héros en plus d'un coup. Voilà. Le héros actif perd un cœur, ajouter un sur le lieu. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait petit goût, ça servait à rien. Il faut que tu mélanges ton paquet, du coup. Pourquoi? Pour faire son effet. Ah oui. Là, si t'as de la chance. Alors, c'est bon. Donc, tu n'en rajoutes pas un sur le lieu. Tu perds 2 du petit tracker. Ouais. Je t'avais remonté à combien? Ben c'est 7.
D'accord. T'as reperdu tout ce que je t'ai donné là, ouais. Malheureusement. Bah, j'ai gagné 2 cœurs avec Sigru. 4 pièces et un éclair par allié joué pendant ce tour. Bien. Ensuite, 4 pièces, t'as Incendio qui est pas mal. Gagner un éclair et piocher une carte. Ou sinon, t'as encore un réparo, mais ça correspond plus à ce que tu fais. À toi, Mister. C'est à moi. Harry. Chaque héros révèle la première carte de son deck. Si sa valeur est supérieure ou égale à 1, son propriétaire défausse cette carte et perd 2. Ok. Et du coup, un petit gros, voilà. Je perds 2. Je perds qu'un parce que j'ai la cape. Ah. Alors, est-ce que j'ai de la chance? Oui. 4 pièces. Un éclair. Je prends cette carte. C'est quoi? Chaque héros pioche une carte. D'accord. Alors, oh. Alors, moi j'ai 5 pièces. Mais il faut que je pioche une carte d'abord. Force du mal, tant qu'à faire. Alors, celui dont on n'a pas prononcé le nom, on rajoute 1. Je perds 2. Tu avais enlevé les 2 du détraqueur. Hein. Ah oui, 1 parce que tu avais la cape. C'est et ça. J'ai 5 pièces. Je pense que je vais prendre. Oula! Ça, c'est pas mal pour vous aider encore. Fume sec, donc résolvez un effet au choix, gagnez 2 éclairs où chaque héros gagne 2, ce qui fera chaque héros gagne 3. Le héros actif perd un cœur et ne peut pas assigner plus d'un éclair à chaque ennemi pendant ce tour. Ah, donc plus 2. C'est bon pour petit groupe. Cinq pièces et un éclair. Malheureusement, moi je vais être à cause de cette carte là, parce que c'est la seule qui reste. Gagner un éclair et retirer un du lieu, mais ça fait que tu gagnes 2 éclairs avec mon pouvoir. Ah, c'est pas mal pour toi ça du coup. Oui, il y avait Jenny aussi, sinon si tu voulais. Mais bon, Jenny elle est moins. Allez, Harry à toi. Rajouter un sur le lieu. Punaise. R2. On fait petit gros, c'est bon. J'ai la boule de cristal. Je pioche 2 cartes. J'en défausse une au choix. Tu lui ferais pas 3 dégâts par hasard. Ça m'arrangerait parce que moi je vais rajouter un sur le lieu et perdre ma carte qui est là. Mais bon. Non, je non. Faire un dégât. Qu'un seul, ouais, non, c'est pas. On défausse cette carte. 5 pièces. Je vais pouvoir, oui. Prendre lui et lui. Ok. Et notre bière au beurre. Ah, un nécessaire de Quidditch. T'aimes bien ça en général, madame. Alors, le héros actif perd 2. Ouch. 2 et 2. Alors, j'ai 3 pièces. Je peux te redonner 3 points de vie. Et je peux me redonner 3 points de vie. Et pour 3 pièces. Je vais prendre bah, encore une bière au beurre. Hein. Bon, malheureusement. Ah ! J'ai fait petit gros. Donc. Tu défausses la carte et on rajoute un sur le lit. Ouais. Hop, oh, punaise. Hop là. On va dire autre chose. Ouais. Du coup, bah, je vais remélanger. Et c'est reparti pour un tour. À toi, madame. Le rotif perd un cœur et défausse une carte. Carte, merdouille. T'as pas une carte avec un effet défaussé là? Non.
Ça, c'est pas mal, hein. Alors, deux. T'as une défausse là, en fait. Deux petits trackers. Est-ce que la carte est faite perdre un cas. Un, deux, machin. Désolé. Puis, bon, c'est bon. De toute façon, je vais lui faire sa fête. Ah. Oh là. Alors, gagner un éclair et piocher une carte. Ouh. Alors, un éclair et piocher une carte. C'est parti. Super. Alors, de ce côté, on voit rien. Joue plutôt là, par exemple. Ou... Gagner un éclair, retirer un du lieu. Donc, tu gagnes un éclair en plus. Grâce à mon pouvoir. Ou même si tu peux jouer là, c'est aussi mon bien. Petit gros, il est mort. Ah, petit gros, il est mort. Mmh. On va retirer un du lieu. Et on peut aller chercher un sort dans notre pile de défausse et l'ajouter à la main. Ah, j'ai pas de pile. Toi non plus? Bah, ah bah si, bah tu reprends ça, ça fait toujours une pièce de plus. Ajouter dans notre main? Oui. Toi non plus, t'as pas de défausse? Non. Eh ouais. Donc j'avais une pièce là. Donc ça fait. Une deuxième pièce là. Mmh. On peut commencer à frapper si tu peux. Du coup, j'ai assigné 3 éclairs. Je peux gagner. Deux cœurs. Deux cœurs. Ouais, ouais, vas-y. De toute façon, je vais soigner tout le monde. Moi. Prends-toi aller mais parce que. Gaffe, t'as pas les yeux rouges là. Ouais, mais selon ce qu'il pioche, c'est toi aussi. Ouais, donc il est protégé. Deux cœurs. Gagner deux cœurs. Gagner deux ou piocher une carte, je vais piocher une carte. Super. 3. Ouais, pour l'instant, c'était plus intéressant de gagner deux machins. Donc, t'as combien 3 pièces. Tant que t'as pas fait ton paquet, là, piocher une carte là-dessus. Oui, c'est parti pour un nouvel ennemi. Bon, normalement, on s'est tapé deux compliqués déjà, là. Enfin, un compliqué. Sans être étourdi. Sans être étourdi. Plus qui couille, là, puis là. Hop là, non, oh là, le basilic. Okay. Ça, ouais. Tracker en premier. Tracker en premier. Moi, c'est... On veut plus piocher de cartes supplémentaires. Non. Basilic d'abord. Hein, hein. Ça dépend. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cartes de pioche. Et on n'a pas des paquets qui font que. Oui, qui... on n'a pas trop des paquets qui font qu'on va faire plus de dégâts ou avoir plus de pièces. Du coup. Alors, tu perds 2, mais je ne perds qu'un parce que j'ai la cape. Je perds 2 parce qu'il y a des trucs. Ouais. Un de chaque en fait. Alors, chaque héros pioche une carte, ça ne sert à rien. Ah oui, mais j'allais le faire. C'est dommage. 3 pièces et un éclair. Allez, on a dit qui le basique. Oui. Ok. Gagner 2 éclairs. Ah, non, c'est pour. Ça sera pour madame, ça. Ça pour toi. Ouais, si t'arrives à avoir 5 pièces. Alors, de mon côté, c'est parti. Chaque héros résout un effet au choix. Défausser un allié ou perdre 2 cœurs. Oh, yo, yo, yo. Si j'ai pas d'allié, je suis obligé de perdre 2 cœurs. Eh oui, malheureusement. Mais t'inquiète pas. Donc, je vais perdre 2 et 2. Alors. Okay. Chaque héros gagne 3 cœurs. Merci. Ensuite, 2 héros au choix gagnent une pièce et un cœur. Du coup. Non. De quoi? Toi et moi, une pièce, un cœur. Ouais, mais madame, elle va acheter derrière. Okay. Donc ça sera ben, en fait. Alors, combien je vais avoir de pièces moi? Après, je peux te redonner. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais vous donner les deux pièces parce que en fait, moi je peux rien acheter quoi qu'il arrive. Moi c'était surtout pour les cœurs. Oui, et un cœur aussi. T'as repris ton cœur déjà toi? Non. Ensuite, je vais avoir qu'une pièce. Et là, alors vous en êtes où là? Un héros, soit je fais un éclair, soit un héros gagne encore 2. Un éclair. Un éclair. Ah, peut-être toi ou bien t'as des cœurs. Bah après j'ai encore pour me redonner 2 cœurs. Voilà, j'ai qu'une pièce du coup. Voilà.
Le héros actif perd 2 cœurs et chaque autre héros perd 1 cœur. T'as enlevé tes 2 du détraqueur ouais. aussi. Tu peux me mettre un éclair supplémentaire là, ce tour-ci ? Ah, non, c'est pas lourd. Bon, prends-en un petit peu quand même pour frapper, toi. Ouais. Pas que des cartes pour piocher, ouais. C'est bien d'en avoir pour faire piocher, mais c'est bien de frapper aussi. 2 éclairs. Ah, j'ai la chouette pour et 1, 2, ouais, mais 3, ça suffit 4, pas. 5 pièces. 5 pièces, bon bah t'as ta carte. Hein. Gagner 2 éclairs, je pense que c'est. Sauf que du coup, je peux pas lui redonner de cœur parce que j'ai que 2. Non, c'est là-dedans. Allez, à toi, Gabriel. Chaque héros perd un cœur et n'a plus piocher de carte supplémentaire. Ouais, bah, voilà, c'est pour ça que c'est pas plus mal qu'on ait le basique maintenant. Si on arrive à s'en débarrasser. Boule de cristal, ça me sert à rien. 3 pièces. 3 pièces, du coup. Tu vas. T'en as 4. J'étais à combien ? J'étais à 4. 3. Ouais. 3. T'as retiré un du lieu. Non. T'as Jenny. Ah. Une pièce, un éclair. Ouais. J'ai un polynectar. Ok. Ouh. Ok. Si tu peux l'avoir, c'est bien. Oh là 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 là. Du coup. Ah bah, je vais pas faire beaucoup de dégâts. Deux héros au choix gagnent. Ah bah il faut que je pioche d'abord. Ça a peut-être une importance. Le héros actif perd 1. Oui. 1, 2. Et défausse une carte. Ça tombe bien. Je m'en rappelle tout. Hop. Ça me donne 2 pièces. Deux héros au choix gagnent une pièce et 2 cœurs. Du coup, je vais le mettre dedans, hein, si ça vous dérange pas. Ah, je crois que... Oulala, oulala. On est quand même un peu... Est-ce que tu vas faire des dégâts ce tour-ci, non, toi? Un seul. Uh-huh. Harry, tu vas faire des dégâts ou pas? Ok. Je vois rien du tout. Quoi. Donc, je vais avoir 2, 5. Est-ce qu'une sixième pièce serait importante? Non, pas nécessairement. Bon, moi je suis quand même un peu. Est-ce que vous allez retirer du lieu? Non plus. Non plus? Non. Bon, on va éviter de prendre. Tant pis, je me redonne du coup 2 points. Une pièce. Ensuite, bon, c'est quand même de ce côté que... T'as la cape ou pas, toi? Non. Donc, quoi que ce coup-ci, tu vas perdre 2 points, toi, aussi. Est-ce que tu aurais besoin d'une pièce supplémentaire? Mais tu gueules. D'accord. Bon ben reprendre 2 points de ton côté et une pièce du coup voilà c'est celle là et ensuite j'ai 3 pièces de plus donc ça me fait 6 pièces en tout pour 6 pièces je vais prendre est-ce que je prends le père Weasley. Je prends 2 infinités et un nécessaire. Ou alors je peux prendre une boule de cristal aussi. Je vais prendre une boule de cristal. Prends des dégâts toi. Mais je la voulais. Oui. Prends des dégâts. Voilà, 2 dégâts et une pièce. Il est pas mal. J'ai rajouté 1 sur le lieu. 1, 2, 3. Alors, un éclair et 4 pièces. 4, 5, allez, plus que 3. 4 pièces. Bah, t'as ton nécessaire de Quidditch encore éventuellement, ou retirer un du lieu. Hop là. Oh, encore une bière au beurre. Une bière au beurre. Je vais le peinter, moi. Chaque héros perd 1. Ne plus piocher de cartes. Ok, c'est bon, t'inquiète pas. Normalement, je vais pouvoir t'aider si tout va bien. J'ai 3 cartes qui me servent à rien.
Ok. Et j'ai deux pièces. Donc 3, comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Le héros actif perd un point de vie. Ajouter un sur le lieu. Aïe, 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 aïe. Et je suis étourdi. Donc, c'est pas grave, parce qu'on peut pas rajouter un. Donc, de toute façon, on va passer au second lieu, quoi qu'il arrive. Donc, comme je suis étourdi, c'est vous deux qui prenez deux points de vie et une pièce. Mmh. Des fois, c'est là. Donc, je joue une bière au beurre. Et ensuite, j'ai 4 pièces. 4 pièces. Est-ce que vous allez prendre les Wingardium Levi ou ça? Non. Pas vraiment, hein. Je vous nettoie ça. C'est égal. Mmh. Ou alors je reprends une bière au beurre. Histoire de vous redonner de toute façon, une pièce. Je pense que je vais être étourdi, non? Ah bon? Pour nettoyer au cas où. T'as repris les deux là que je t'ai. Ouais, mais je suis 4. Tant pis, je reprends une bière au beurre. Oh! Alors. Qu'est-ce que ça fout là ça? Ah, et ça du coup, on change de lieu là? Oui. Oui. J'espère que... Oh, pioche 2 cartes force du mal à partir de maintenant. Le réactif perd 2 et chaque autre héros perd 1 cœur. Donc je suis étourdi. Ah, mais il fallait que je défausse des cartes, moi. Donc on rajoute 1 sur le lion. Ah, que t'étais étourdi. Ah oui, non. Donc j'achetais rien. Merci. En fait. Voilà. Donc tu balances tes pièces, du coup. Oui. La moitié, c'est ça? Inférieur. Donc 2. Oui. Bien fou. Ah. Il va moins rigoler là. Donc, tu dois encore piocher une carte. Encore une, ouais. Le réactif perd 2, de toute façon, je suis déjà étourdi. Alors. Et par contre, tu perds ça aussi. Oui, bon, super. Ah ouais, c'est bon. Bon, bah, le cœur, ça me sert à rien, c'est ça? Ouais. Tu peux donner et un éclair, par contre. Deux éclairs et... Ah non, non, un éclair seulement, pardon. Ouais. Et deux pièces, yahoo. Bah, Wingardium. Oh. Ça fait de la place. Après, si vous voulez, à un moment, on aurait pu tout changer, mais bon. Ouais, deux cartes. Chaque héros a besoin en effet au choix, défausser un sort ou perdre des deux. Défausser un sort... Ajouter un sur le lieu. Défausser un sort ou perdre des deux. Oui. Je perds un parce que j'ai la cape. Et je garde. Ah non, je vais perdre deux. 3, 4, 5 pièces. 1, 2. Pas d'éclair ? 5 pièces. T'as le vif d'orgue à des deux pièces et pioché. T'as ça, j'ai 6 pièces. Ah, 6. D'accord. Oula, ça c'est pour madame. Gagner deux éclairs et piocher une carte. Alors, je vais piocher et défausser une carte. Tu fais pas d'abord... Ah oui, oh là là. Eh oui. Les choses ne sont pas si faciles, malheureusement. Alors, j'ai pioché, bah, je vais faire d'abord ça du coup. Alors, le héros actif perd 1 et défausse une carte. Ah, donc je défausse un Alomora. Ensuite, hop, le héros actif perd 2. 1, 2, voilà. T'as perdu du détraqueur ? Non, pas encore. 1, 2. Donc, j'ai pioché et je sais plus si j'ai défaussé. Mais non, tu peux pas piocher. Pourquoi j'ai pioché ? Ah non, parce que ça sert à rien. Ça, c'est vrai, t'as raison. Donc, tu peux pas le tuer d'abord ? J'ai pioché ça, donc je la remets. Je vais. Ah oui, peut-être. Si, si, t'as raison. Ah ben non! Quoi non? Soit on reprend des points de vie, 3 chacun. Ce qui serait pas mal. Soit. Est-ce que tu pourras le tuer toi? Oui. Bon. On va tous reprendre, tant pis, 3 points de vie. Je retire un du lieu. Et tu gagnes un éclair.
D'accord. Je le mets directement. Ça aurait été bien si c'était le huitième. Je peux piocher, j'ai qu'une pièce. Voilà. Mon tour est terminé. C'était un peu brouillon, hein, mais on y est arrivé. Brouillon. Chaque héros perd un cœur et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. C'est ravissant. 1 plus 2. Du traître cœur. Et rebelote. Voilà. Bon, alors, gagner 2 parce que piocher une carte, ça me sert à rien. Ouais, mais ça sert à moi, ça. La sauf si tu le tues. Bah non, on peut pas piocher de carte pendant ce tour. Pardon. Gagner un éclair, retirer un du lieu. Ah, donc il est mort, lui. Chaque héros pioche une carte. Et eux, non, on peut pas. Si, tu l'as tué. Ah, il y a eu pétrification. 2 fois. Ah, mais c'est pas juste. Donc du coup, ça fait rien. On retire un du lieu quand même, c'est bon. Bah, c'est ouais, déjà ouais, fait. Ouais, ouais. J'ai pas le droit à un éclair supplémentaire, moi. Si tu viens de retirer du lieu, oui. Tu me le donnes? Bah non, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Bah si, et prends, mets-le sur le détraqueur. Hein. C'est gratuit. Gagner un éclair, si vous parvenez à vaincre un ennemi, gagnez également une pièce. Bon, bah, on va considérer que tu l'as mis là. Hein. Ouais. Gagner 2 éclairs. Alors, je t'ai mis là, comme ça on voit mieux. Et soit un éclair, soit 2 cœurs. Ouais. Sachant qu'après, je peux donner. Est-ce que tu as des dégâts? 2 cœurs. Oui. Combien? Je ne le dirai pas. Bah, c'est important. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que tu en as 3? C'est possible. Ah, dis-le, parce que en fonction de ce que tu dis, c'est pas joué de la même façon, là, de ce côté-là. C'est pas censé le savoir, de toute façon. Oh, ah c'est bon un jeu coopératif. Oui. Mais... Oui. Est-ce que tu vas mettre 3 dégâts? Il y a des limites quand même. Oh punaise, mais qui casse-pied? Bon, je mets un éclair. Bah, j'espère que c'est pas pour rien. Et du coup, un héros au choix gagne 2. Bon, bah, Gab alors. 2? Ouais. En espérant que tu le tues. Ouais. Pour récupérer 2. Alors lui, il s'en va. Peut-être pas. Tu te fous de ma gueule? J'avais pas compris la question. T'avais... De toute façon, on n'est pas censé le savoir. C'est un jeu coopératif, tu peux nous dire au moins si t'as une chance de... Oh, punaise, perdez un. Bon, on finit lui d'abord. Hein. J'espère que t'as ta cape, toi. Pourquoi j'aurais la cape? Bah, je sais pas. Ça t'éviterait de prendre 3 points. Hein. On pioche les 2 aussi. Perdez un cœur et défausser une carte. Ajoutez un sur le lieu. Bon. Ah. Ok. Puis, du coup, t'en prends un temps. Ça y est, allez, il a tout pris il déjà. C'est 3 ouais, j'ai tout pris. Ah, par contre, ça va faire mal. Ah, mais j'ai rien acheté, moi. Eh ben oui. Avec mes 3 pièces. Ah, ben alors. Une bière au beurre. Ah, ouais, bah une bière au beurre. Hein. Est-ce que tu as tes dégâts? Oui. Ah, oh, sérieux? Sans savoir. Pourquoi? Parce que ça change tout, du coup. Ah, mais non. Tu le finis, ça change pas tout, là. Mais non. Si, je si. Peux pas le finir. On aurait dû récupérer 2. Alors, je gagne un éclair, je gagne 4 pièces. Où je prends ça? Et tu peux pas t'octroyer un supplémentaire là? Ah non, c'est aux autres. Ah non, tu as parti. Du coup, je reprends pas de point de vie, je redonne point de personne. Bah, du coup, t'es assommé, mon gars. Ah, bah on va voir. Hein. Bah, 3. Non, mais j'en suis pas. Ah oui, je vais être assommé. Ouais. Hein. Oh là là là. Chaque héros révèle la première carte de son deck. Si sa valeur est supérieure à 1, son propriétaire défausse cette carte et perd 2 cœurs. C'est bon. Donc tu perds 2 cœurs. Ta défausse est là. Ouais. Oh, en plus, c'était ouais, bien celle-là. Ouais, ouais. Alors. T'as pioché 2 cartes? Non, j'en suis à la deuxième là. Chaque héros résout un effet au choix, défausser un objet ou perdez 2 cœurs. Oh ben ça tombe bien. J'ai... Ah mais attends, j'avais pas pioché mes 5 cartes. Ah bah ben oui. Tu
sûr. Fausser un objet, hein, même si c'est le premier nectar. Oh, bah, oui, c'est bon, donc tu reprends deux, c'est ça? Ouais. Et là, du coup, quoi? Ah bah du coup, moi, je suis capote. Défausser un objet ou perdre deux. Oh, c'est bête, ça. Alors, je suis étourdi à cause des œufs, des deux, là. Alors, tant qu'à faire, je défaire ces deux. Alors, quoi qu'il manque, combien d'éclairs, là? Deux. Deux, tu vas le tuer ou pas? Oui, je vais le tuer. Bon, tant pis. Ou alors, je peux redonner 3 points à un héros, là. Moi? On a rajouté un sur le lieu? Parce que... Non. Et de la carte aussi? Hein? Je sais pas. Bah, ceci dit, chaque héros gagne 2, hein. Oui. Ouais, mais je peux le tuer... Tu vas le tuer, là? Oui, à part si je suis étourdi, alors c'est comme il y a une pioche de cartes. Ouais, bon, t'as repris les deux, alors? Enfin, les 3. Ouais. 3 de cœur? Ouais, et puis je lui mets un éclair. Le héros actif perd un cœur, ajoutez 1 sur le lieu. Chaque héros résout un effet au choix, défausser un allié ou perdre 2. Ah, je perds 2. 3. Bon. Et t'as... Ah oui, t'as enlevé les 3 là, c'est 1, bon. 2, 4, 6, 7, on va le tuer. Hein. Gagner un éclair, retirer 1 du lieu. Donc un éclair en plus. Un éclair. Donc plus 1. Chaque héros gagne 2, retirer 1 du lieu. 2. Gagner un éclair. Gagner une pièce et un éclair joué par allié pendant ce tour. Gagner une pièce, vous pouvez poser les objets que vous acquérez sur votre deck. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? 4, non, je m'en fous, donc je vais piocher une carte. Super. Donc 3. Et je vais redonner 2 cœurs à Gab. Prends ça, non? Non, tu la remets sur... C'est un objet, c'est ça? Ah, avec oui. Wingardium, tu la remets sur ton paquet. Ah oui. On change d'ennemi? Oui. Oh. Bon, si on pouvait nitrater tout Quirrell, là, ça serait pas mal. Mmh, oui. Hop. On a vraiment eu les pires. Oh, Crabbe et Goyle, ça va. Ajouter 1 sur le lieu. Le héros qui perd 2 et chaque autre héros perd 1. Pour l'instant, je peux pas t'aider, mais ça dépend si je pioche quelque chose. Et oh. J'ai 2 pièces, mais j'ai pas envie d'acheter ce qui est sur. Tu peux pas nous soigner? Non. Désolé. Je t'ai refilé 2, finalement, j'aurais mieux fait de les prendre. 5. Première. Le héros actif perd 2. Oups. 1, 2. Le héros actif perd 1 et ne peut pas assigner plus de 1 dégât à chaque ennemi dans ce tour. Je perds 1 de Quirrell, donc je suis à 3. Alors, je pioche une carte et j'en défausse une. Ensuite, tu pioches 2 cartes. 2 cartes, pardon, et j'en défausse une. Ah, là, c'est pas mal ça. Je ne peux pas tuer Quirrell. 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 Par contre, oui. Alors eux, ça marche qu'avec les ennemis et les forces du mal, hein, avec moi, ma carte. Ça marche pas. Je vais redonner 3 points de vie à madame. Et à moi. Avec fume sec. Et j'ai... est-ce que j'ai défaussé ma carte, moi? J'ai pioché 2. Bon, j'ai pioché 2, donc ça me faisait 6. J'en ai défaussé une. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, j'ai 4. Oh,
trouve que tu fais un peu de bruit, toi, là-bas. Avec 4... Bon, je vais prendre une essence de Schmurz. Et je vais prendre le tant pis pour faire le ménage un peu. Voilà. Le héros actif perd un cœur, ajouté un sur le lieu. Plus un Quirrell. Tu peux chez moi une deuxième. Au mieux d'abord. Oui. Mais la carte que tu viens de piocher. Oui. Ah, fallait pas la remettre dedans ? Je sais pas. Non. Non. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Fallait pas la remettre dedans. Faire un, ajouter un sur le lieu. Je crois, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'elle est pas encore. Complètement. Dans la défausse, en fait. Dans la défausse. C'est une carte active. Ajouter un sur le lieu. T'aurais pu mieux mélanger quand même. Hein. J'ai bien mélangé. Oula, ça. Bon, après, je vais retirer. Hein, bon, alors, ça ira. Un héros au choix gagne une pièce, un cœur. Ça peut être toi aussi, non ? Alors, joue tes cartes là. Alors, ça va être moi. Gagner une pièce. Gagner une pièce. Gagner un éclair et un cœur. Bien, bien. Deux héros au choix gagnent chacun une pièce et un cœur, Gabriel et moi. Une pièce, du coup. Ouais. Merci. Carte du monde. Allez, finis-nous, Quirrell. C'est quoi ça ? Oh, piocher une carte, c'est bien. Il y a des dégâts dedans. Oui. Allez. Hein, tu te détends, tu pètes un coup. Ah non, j'ai que 4 pièces. Attends, j'ai que 4 pièces. Ah bah, prends. Je me fais battre en plus, quoi. C'est dégueulasse. Ça passe, non ? Alors, qu'est-ce que t'as pioché, là ? Chaque héros résout un effet au choix, défausser un sort ou perdre deux. Défausser un sort ou perdre deux. Je défausse un sort. De toute façon, s'il y a trop, c'est trop cher, hein, tout ce qu'il y a là. Le actif perd deux et chaque autre héros perd un. Et ok. Je perds un en plus de. T'as pas ta cape ? Non. Ok. Alors, j'ai. Deux dégâts, donc je tue Quirrell. Chaque héros gagne une pièce et un cœur. Et quatre pièces du coup. Parce que j'ai le balai et la Ginny. Bah, le balai fait des dégâts. Ah oui, tu l'as déjà compté. Quatre pièces. Mmh. Donc t'as c'est quoi l'effet du. Je regarde un cœur, c'est ça ? Quirrell, oui, et une pièce. Pourquoi tu regardes un cœur ? Parce que c'est Quirrell. Ah oui. Donc j'ai 6 pièces, je préfère Attends, pourquoi il en a que 5 lui ? Hein ? Parce que ça s'est migré à côté. Ouais. C'est bon ? C'est good. Alors qui en a ? Petit Drago ? Ah ben non, son père. Chaque fois qu'un marqueur lieu est ajouté sur le lieu, retirez un dégât de chaque ennemi. Ok. Alors, c'est parti. Le héros actif perd 1 et défausse une carte. Ok, je vais perdre 2 du coup. À cause de Crabbe et Goy. Deuxième carte. Ah, et tout à l'heure, on a rajoute un sur le lieu. De... C'est pareil alors. Et moi je l'ai fait. J'ai pas moi j'ai pris 2. Le tour d'avant. On a peut-être, un alors sort. Oui, c'est vrai. Alors, 2 héros au choix gagnent une pièce. Alors déjà, on retire un du lieu. C'est la carte qui est là, c'est que tu viens de la prendre ou... Non. Non, c'est bon. Retirer un du lieu. Ouais. Donc tu gagnes un éclair. Ouais. Je le mets sur lui. Hein. Arrêtez un peu. Voilà. Ensuite, deux héros au choix gagnent une pièce et deux cœurs. Ou alors, un héros au choix gagne 3 cœurs. Donc, Gabriel et moi, on va reprendre, je pense. Ah, quoi que. Pff. Deux pièces ? Non, une pièce et deux cœurs.
Une pièce, moi je vais pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Moi aussi ou... Tu vas donner à maman du coup? Non, à toi. Non, à toi. Et ensuite, soit un éclair, soit un choix gagne 2 encore. T'es comment là? Bah, je vais mettre un éclair, non? J'en mets 3, moi. Ouais, je vais mettre un éclair. Il faut qu'on se débarrasse de lui, sinon il va soigner là. Et donc, je peux rien faire de plus. Chaque héros révèle la première carte de son deck. Si c'est supérieur ou égal à 1, son propriétaire défausse cette carte et perd 2. C'est bon. Ok. Ajouter 1 sur le lieu. Voilà, t'as suivi? Du coup. Supérieur de propriétaire. Voilà. Alors, 2 pièces, 3 éclairs. Ah! Et du coup, tu peux redonner 2 points à quelqu'un. À moi. Les yeux. Ah, il y avait Gab. Ouais, mais bon. Non, c'est pas grave. De toute façon... Pour 3. Ouais, je vais prendre un chocolat rose. Hein. Allez, à toi, Harry. Ouh! Alors, active carte 2. Alors, active carte 2. Chaque autre héros perd 1. Oh punaise, tu peux retirer du lieu ou pas? Oui. Ah ouf. Donc, okay. Je gagne un éclair. 2 éclairs, une pièce. Je pioche une carte. Attends, tu mets combien d'éclairs en tout là? 3? 3. Donc tu finis Malfoy. T'as chaque héros gagne une pièce et on en retire un du lieu. T'avais dû défausser une carte? Non. Non. Gagner un éclair et piocher une carte. Que une toi pièce. Oui. Par contre, ouais, non, on voit pas où tu ce que tu joues. Ça serait bien que tu les joues là au moins. Non, mais j'ai pas de pièce. Là Voilà. Bon, c'est trop tard pour ce tour-ci. Allez, c'est bon? Non. Là, tu dois acheter pour 3? Je peux pas. Alors, on a la possibilité de tout changer si vous, on voulait. Non. Mais bon, il y a des trucs pas mal, quoi. Quand tu... Alors, lui, on l'a fait, c'est bon. Mmh. Hop là. Oh, Tom G. Duzor. Il faut pas avoir d'alliés, sinon on perd 2. Oh là, je suis morte. Ou défausser une carte. Ah, mais sinon. Ah oui. Oh, je suis morte. Bah, ça dépend. J'ai c'est 2 alliés dans la main. C'est à moi? Ouais. Oui, mais je peux te redonner suffisamment de points de vie. Par allié dans sa main. Ok, donc j'ai intérêt à te soigner plus que ça, quoi. Lui, héros actif perd 1 et ne peut pas assigner plus de 1 dégât. Bon, ça, encore. Ensuite. Lui a récupéré 1 et ajouter 1 sur le lieu. Youpi. Ok. Je vais piocher 2 cartes et en défausser une. Bon, ben on va changer. Ah non, il reste une. Alors, je peux redonner à tout le monde 3. Même au pénible. Ensuite, je peux reprendre 2 ou filer un éclair. Qui devient la priorité du coup là? Je pense que c'est J'ai du Zor. Je commence à lui mettre un éclair. Ouais. Alors, je lui mets un éclair. Et ensuite, pour 3 pièces. Pour 3 pièces, je ne peux rien prendre. On laisse toujours ses cartes. Hein? Si personne n'achète encore de cartes jusqu'à moi, là, on les change. Hein. Chaque héros résout un effet au choix, défausser un allié ou perdre 2. Eh ben, ça te fera moins de dégâts.
Faut voir le bon côté. Non. Je prends deux, moi. Je veux pas. Mais si, parce non. que ça, tu vas encore prendre non, un max. Je, hein. Non, je vais... C'est défausser un allié ou perdre deux, c'est ça? Oui. Chaque héros perd un cœur et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires. Te calme. Bon alors, le héros actif résout en effet au choix par aller dans sa main, perdre deux cœurs ou défausser une carte. Je défausse ça. Si je défausse cet objet, gagner une pièce, un cœur. J'en perds un pour Crabbe et Goyle. Voilà. Et... Là, deux secondes, je fais une petite pause. Alors, j'ai trois éclairs. Chaque héros gagne un cœur. T'as trois éclairs? Oui. Et du coup, j'ai assigné trois éclairs, je reprends deux. Et j'ai que deux malheureuses pièces et il n'y a rien. Mm-hmm. Voilà. Ok. À toi, Harry. Oui, j'arrive. Moi. Chaque héros résonne fait au choix défausser un objet ou perdre deux. Ah, bah je défausse. Ah, on va perdre un alors du coup quand le même. Le motif perd un, défausse une carte. Tu perds un encore à cause de Crabbe et Goyle. Hein. Je pioche deux cartes. Je m'en défausse d'une. Donc tu peux jouer là. Chaque héros pioche une carte. Et j'ai trois pièces. Rien acheter. On pourrait tout virer, non? Parce qu'on peut bah ouais, on n'achète plus rien là, ça sert à rien depuis tout à l'heure. Allez, on vire tout. On a envie de prendre la décision avant. Oh! Un Imbus 2001. Olivier Dubois, une essence de Dictame, une autre essence de Dictame, un Lumos. Pour moi, ça. Ben oui. On ne change pas les cartes. Alors. Chaque héros pioche une carte, hein, c'est ça? Oui. Youpi. Alors, il faut que je pioche mes cartes d'abord. Le héros actif perd... Deux. C'était à moi de piocher les cartes, c'est où j'ai pioché déjà. Non. Bon, bah, je suis étourdi. On en jette un sur le lieu. Ok. Si tu peux me redonner de la vie. Du coup, je vais défausser la moitié. Donc, je vais défausser. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de vie. Si, je vais vous donner des vies. Enfin, te donner des vies. Du coup, par contre, on va changer de carte. Ça va être dur. Je perds mes pièces que je vais garder de je sais pas quoi. On va changer de carte. Bah, parce qu'on est au bout là et je peux pas retirer. Bah, je viens de le mettre là, non? Oui. Et ben. Bah, on va après ma part. Je peux pas retirer. À mon tour, tu parles. Oui. Alors. Deux héros au choix. Gagne une pièce et deux cœurs. Un héros au choix gagne deux cœurs. Et j'ai juste une pièce qui sert à rien. Voilà. Chaque héros perd un cœur et ne peut plus piocher deux cartes supplémentaires pendant ce tour. Il y a un effet sous les deux cartes, non? Non, c'est juste un... Le héros actif perd 2, yahoo. Chaque héros perd un cœur, c'est ça? Oui. Bon, j'ai pas d'allié ce coup-ci. Alors, gagner une pièce. Gagner un éclair, retirer un du lieu. Gagner une pièce. Gagner une pièce. Et puis... Gagner un éclair et un cœur. Ah, j'ai du vent, il passe. Non. Si. Ah, si. Chaque héros résout un effet au choix. Soit gagner deux cœurs ou chercher un allié dans votre défausse et ajoutez-le à votre main. Bon, moi j'ai pas d'allié dans la défausse de toute façon. Donc je reprends deux. Bon, c'est pareil, de toute façon, je vais prendre deux.
Il reste. Et j'avais retiré un du lieu, mais techniquement non, je l'ai pas. Donc possible. J'ai pas le droit. Non. Ah, ok. Et deux héros au choix gagnent chacun une pièce et un cœur. Bah donc, prenez, moi je suis au maximum. Une pièce. T'as combien? J'ai 2, 4, 5, yahoo! Ah, Nimbus machin. Voilà. Oh là là, 3 essences, des essences de dictam là. Oh punaise. Alors, ah, j'ai assigné combien? Non, j'ai assigné que 2 éclairs, je crois. T'es sûr? Oui. C'est pour ça que normalement on les met sur. Bah, regarde tes cartes. Oui, oui, j'ai. Ouais, il y en avait 4. Tout le monde a fait l'effet de. Ah, moi j'aurais pu en assigner 3 si j'avais repris un allié en fait. Bon, ah, c'est pas grave. Allez! Ça a changé tout. Là. Première. Je perds 1, je dévose une carte. Ouais, donc tu perds un de plus. Je peux piocher. Et on peut pas piocher, tu perds un de plus. Voilà. Bon, bah, il nous reste juste à finir ces deux-là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Je gagne 2 éclairs, une pièce. Tu les gagnes là, sinon tu les gagnes pas. Et encore 4 pièces. 2 éclairs, on les met sur qui? Sur Malfoy? Oui. 4. Et. C'est quoi ça? Si je parvenais à vaincre un ennemi. Ok, 4, 3. 6 pièces. Ok. 7, t'avais? Bah dis donc. Ok. À moi. Donc je pioche 2 cartes. On met 1 sur le lieu. Donc le lieu héros actif perd 2. 1, 2. Le héros actif perd 1 et ne peut pas assigner plus de 1 dégât aux ennemis, à chaque ennemi pendant ce tour. Donc je perds 1 et c'est bon. Bon, on n'est pas trop mal au niveau point de vie là. Je pourrais faire 2 dégâts avec fume sec. Non, t'as pas le droit de faire. Ah non, mince, alors est-ce que c'est rentable? Bon, oh, tant pis. Ah, il en manque un du coup. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse juste un dégât avec lui, mais que je nous redonne 3 points de vie à chacun? Si tu veux. Pour être tranquille. Hein? Donc, on met juste à Malfoy. Combien, 3 points de vie? Ouais. Je fais juste avec lui. Ensuite, je joue fume sec pour que tout le monde gagne 3. Je pioche 2 cartes. J'en rejette une. Je rejette mon. Et comme je défausse. Ah ben non, c'est pas. Oui, c'est pas un ennemi ou les forces du mal qui me feront. Donc c'est bon, je perds rien du tout. Ensuite, j'ai. Retirer un du lieu. Tu gagnes un éclair. Je gagne un éclair. Ben t'as voilà. Pas le droit. Ah, mais je peux pas le mettre. Non. Mais je peux le garder du coup. Oui. Ah, ben non. Ben je non. Sais plus. Il va être retiré à la fin. Oui. Ouais. C'est que quoi. Retirer un du lieu. Retirer un. Et c'est obligé que ça soit moi qui l'ai. Bah, ben, maman, vas-y, prends-le, pardon. Bah, ben, oui. Ah, heureusement que je suis là. Hein. Et j'ai encore 2 pièces grâce à 2. L'Omora, donc pour 4, bah, je vais vous faire un peu de ménage. Hein. Ah, c'est cool alors si j'ai un éclair en plus. Moi. Choco grenouille et Dumbledore. Le héros actif perd 2 et chaque autre héros perd 1. Le héros actif perd 2. Alors, une pièce. Une pièce. Ah oui, mais attends, c'est les tiennes là. Ah, pardon, j'ai pas rempli mes cartes, désolé. Une pièce. Un héros au choix gagne une pièce et un cœur, moi. Merci. Ah, tu te remercies, bravo. Gagner un éclair et un cœur. Mm-hmm. Gagner un éclair, si vous parvenez à vaincre un ennemi, gagner une pièce. Donc, ça va être le cas. Et en plus, tu peux gagner 2 cœurs, c'est ça? Oui.
Je retire un du lieu, il n'y en a pas. Et ben voilà, il ne reste plus que Crabbe et Goyle à tuer. Non, je crois pas. 1, 2, 3. J'espère que je vais pouvoir piocher ce truc-là. Une pièce. Et pour 4, il a lèche. 4. Un chapeau. Je pouvais pas avoir un chapeau. Chaque héros perd 1 ne peut plus piocher de cartes pendant ce tour. Hein. Super. T'as trop espéré. Défausser un allié ou perdre 2. De toute façon, vous avez dû y tenir. Ça, ça me sert à rien. Retirer un du lieu, ça me sert à rien. Je vais mettre 3 dégâts sur. Oh 3 dégâts et. Ah, tu peux pas piocher. Ok, t'as fini ton tour du coup ? Oui. C'est à moi. Mettez un sur le lieu. Et oubliez, chaque héros résout un effet au choix, défaussez un sort ou perdez 2 points de vie. De toute façon, je le tue là, non ? Je me mets dans, j'ai qu'un éclair malheureusement. Bébé, ça suffit. Ah oui ! Ah ! Donc je prends 2. Hein. Mmh. Alors, je lui mets un éclair. C'est fini. Et c'est fini. Voilà. On a réussi à passer le troisième épisode, le prisonnier d'Azkaban. On a démarré, en fait, malgré le mélange, avec les deux nouveaux. Tom Géduzo. Non, pardon. Petit Grou. Et des traqueurs. Et des traqueurs. Voilà. Voilà, prochain tour, des nouveautés encore, sympa, donc à découvrir dans le prochain épisode. Au revoir et à bientôt, prenez soin de vous.